Alors que les trompettes médiatiques d'Al-Hamadan cherchent à répandre leurs mensonges et leurs rumeurs contre les pays arabes et le monde entier à travers la chaîne d'Al Jazeera. Donc les voix continuent de condamner cette politique de la provocation et de la conspiration contre le monde arabe. Le magazine américain Washington Examine a confirmé dans son rapport que le réseau d'Al Jazeera, suivi d'un régime qatari, qui fournit un financement et un refuge aux groupes terroristes et aux dirigeants du groupe terroriste des Frères, allait une plateforme pour diffuser des idées extrémistes du gouvernement qatari en Amérique. La Commission fédérale de la communication américaine a récemment contraint la chaîne d'Al Jazeera, qatari, à présenter un rapport révélant ses relations avec son propriétaire étranger, conformément à la modification apportée à la loi sur la licence de la défense nationale, selon laquelle le seul propriétaire et actionnaire de la société est Tamim Ben Ahmed, l'émir du Qatar. Selon la réglementation mentionnée par la Commission fédérale de la communication, cela signifie que la chaîne d'Al Jazeera est soumise à la loi sur l'enregistrement d'agents étrangers et doit être soumise à toutes les données et toutes les restrictions relatives aux agents étrangers enregistrés qui travaillent aux États-Unis. Malgré que la chaîne d'Al Jazeera nie toutes les charges retenues contre elle, la vérité apparaît à travers ses relations étroites avec les groupes terroristes et leur défense dans la mise en œuvre de la politique malveillante du régime qatari qui est parrain, soutient et abrite des groupes terroristes.